C'est une problématique qui me touche beaucoup en tant que journaliste, en tant qu'écrivain et éditeur. Le livre est un produit rare au Burundi. Vous serez peut-être étonné si je vous disais qu'il y a des élèves qui terminent le secondaire sans jamais avoir lu un roman. Il y a des écoles secondaires qui n'ont pas de bibliothèque. Nous, dans le temps, je peux dire qu'on était un peu privilégiés parce qu'il y avait au sein des collèges, dans les lycées, des bibliothèques. Et on avait obligation de lire chaque semaine. Il y avait vraiment cette volonté de faire lire les lycéens et les élèves. Aujourd'hui, ça n'existe plus. En 2011, avec une association de Bertry, dans la province de Luxembourg, on a collecté près de 40 000 livres qu'on allait ramasser dans les bibliothèques qui se renouvelaient, et on faisait un tri et on prenait les livres bon, enfin, d'occasion, usagés, mais encore solides, et on a amené ces livres au Burundi, à Gitega, où nous avons ouvert un centre culturel qui après a été repris par les Américains qui ont, eux, imposé l'anglais. Bon, voilà, parce qu'on n'avait pas eu de soutien, justement, de la francophonie, de l'ambassade de France, pour, justement, nous aider. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que les livres ne circulent pas parce qu'il n'y en a pas au Burundi, ou ils sont très rares. Ce n'est pas un pays où tu trouves dans une famille une bibliothèque. Ce n'est pas un pays où les lycéens ont une culture de la lecture, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a pas simplement de livres. Donc, pour revenir sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, faites un geste citoyen. Quand vous avez la possibilité, envoyez ce livre au Burundi. Si vous avez des amis, des cousins, des étudiants avec qui vous êtes en communication, offrez ce livre. Moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, des Burundais qui se mettent aujourd'hui en association. En Côte d'Ivoire, ils l'ont fait. En Suède, bientôt dans d'autres pays, pour acheter les livres et envoyer quelques exemplaires en Afrique, au Burundi spécialement. Donc, c'est vraiment une question très, très importante. Les livres ne circulent pas. Et puis, on dit les Burundais n'aiment pas lire. Parce qu'en fait, le verbe gusoma, chez nous, c'est a deux significations. Bon, trois. La première est la plus agréable, madame, merci, c'est s'embrasser. La deuxième signification, c'est boire. Et enfin, la troisième signification, c'est lire. Donc, apparemment, aujourd'hui, c'est la deuxième signification qui est plus en vogue. Mais il faut vraiment qu'on participe à aider à changer la tendance, qu'on lise vraiment. Et tout le monde aujourd'hui est conscient que le niveau de la culture générale a baissé. Quand j'étais encore à Iwachu, je recevais des stagiaires, des jeunes qui ont terminé l'université, qui demandaient à faire un stage en journalisme à Iwachu. Parfois, j'étais effaré par vraiment la faiblesse de leur niveau d'écriture, de compréhension de la langue, tout simplement parce qu'ils n'ont pas lu, parce qu'ils ont terminé le secondaire, et parfois à l'université, les seuls livres qu'ils ont lus, ce sont les livres imposés dans le cadre de la recherche académique. Et tout ça, on le paye cher aujourd'hui. Bon, parfois, les gens s'amusent sur les réseaux sociaux en soulignant les fautes dans les communiqués de presse, des ministères, tout ça. Mais c'est beaucoup plus profond. Hein. C'est un problème vraiment qui date de plusieurs années. Et il faudrait vraiment aider à ce que le livre retrouve sa place, et surtout le livre de Ludo. Merci. Je ne sais pas s'il y avait encore une question à laquelle il fallait répondre non. Non ? Alors, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir participé à ce panel, d'avoir pu répondre aux questions de ce public. Merci beaucoup à tous. Je pense que
Encore une petite salle d'applaudissements est nécessaire. Je pense qu'on pourrait encore échanger pendant de longues heures, mais on va s'arrêter là pour ce soir. Ce sera encore possible peut-être autour d'un verre dehors. Merci à tous. Bonne soirée. Ça ne va pas? Allô? 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 Bon, voilà, le professeur Pierre Jour avait annoncé au début. Le Centre Placette vous remercie énormément. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment commencer par des applaudissements envers nos intervenants, s'il vous plaît. Et ensuite, les applaudissements reviennent vraiment à toutes les personnes qui ont contribué pour que la journée puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Je songe particulièrement à l'équipe qui est derrière la technique pour diffuser ça, pour immortaliser, quitte à ce qu'une date symbolique historique, comme le disait le professeur Pierre Joseph. Ce débat-là, je cite de nouveau le professeur Amougou, puisse changer finalement, façonner une nouvelle façon de lire et de voir l'histoire. C'est dommage et c'est triste, je vais finir par ceci, que des citoyens ne soient pas informés. Ainsi informé. Alors, depuis un moment, le Centre Placette, qui est un foyer d'accueil des étudiants internationaux, toute l'élite africaine, latino-américaine, asiatique, qui vient dans notre université, était accueilli ici. Et on avait l'habitude de vivre de loin des commémorations, des célébrations d'indépendance. On s'est dit très récemment qu'il y avait moyen finalement de le faire dans le Nord, pour que les citoyens du Nord puissent savoir ce qui se passe dans le CID et surtout quand il y a des liens vraiment très forts, historiques. Alors merci. Le Centre Placette a prévu un moment de poursuivre le débat. Merci Damien d'y revenir. N'hésitez pas, vous qui étiez en présentiel, sinon dommage pour ceux qui nous ont suivis à distance, vous avez tout le temps que vous voulez pour échanger avec des intervenants qui vont peut-être aussi disponibiliser un peu de leur temps libre à échanger avec vous autour d'un bar qu'on ouvre désormais maintenant. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée.